Vous le public, effectivement, je vois du côté de la hauteur, on encourage ces jeunes athlètes. Retour de la finale du 4x1000 dans quelques instants, un tout petit crochet par le saut à la perche où Anastasia Popov vient d'effacer 4,10 m à sa deuxième tentative, prochaine barre 4,20 m. À suivre également dans quelques instants le début du troisième groupe lancé du javelot. De Strasbourg, agglomération athlétisme, après les commandes. Reste engagée Anastasia Popov, la grenobloise qui va s'attaquer à 4,20 m. Elle a un record à 4,30 m, la grenobloise. Alors déjà le premier passage à l'approche sur ce 4,000 m. Allez, Camille! Allez, Camille!
On entend la droite avec un couvert de tête avec un beau rangement sur Versailles et Florent. Et c'est Versailles qui prend la tête. Et la Bourbonnasse tourne. Et Grenoble. Passage également de l'équipe Rose des Arts, c'est un de voir la un petit crochet par le lancer du javelot, le concours du groupe 3 vient de débuter avec Geoffrey Rémy, le bordelais, qui est retourné au-delà de la ligne des 50 mètres. Ça mesure dans quelques instants sur le panneau du lancer du javelot. Il se présente ensuite la tête de l'entente Sabine à de nationalité allemande, 7e performeur mondial de tout le temps. Il a réalisé en 1995 92,60 m Rouecht. Et c'est toujours lui à Versailles qui a en tête de ses 400 000 mètres de cadette. Il va clairement que tout le monde. Et il entend un petit carré qui passe en troisième position. Dans le monté également le changement de l'agglomération AT avec Elisa Thomas, au podium de 400 mètres cadette cet été. Aujourd'hui sur 1000 mètres. Au lancer de javelot pour Rouecht, l'Allemand qui prend la tête du concours, à suivre l'Espagnol de Antonio Palizas, Hector Agassiana. Toujours le fil de lui à Versailles en tête. Comme l'athlétisme gagne en deuxième position. L'entente athlétique Grenoble. Et la belle remontée de France de la démarration à terre de Tunisia Thomas. Versailles
en tête. Bonsoir la perche, Anastasia Popov aura recours à une troisième tentative pour effacer 4,20 m. Au lancer du javelot, 59,18 m pour Hector Aragos-Miana en tant que haute Alsace. 59,10 m. 18 pour Hector Aragos-Miana qui a pris la tête du concours. Un concours du lancer du javelot, le belge de Charleville-Mézières, Timothy Brenders. Donc, les conditions sont toujours liées à Versailles devant le terme athlétisme. Par contre, pour la troisième place, ça va se jouer. Alors, il y a trois équipes encore à la lutte. Alors, avec le dossard 11, lui à Versailles, qui passe à la cloche, donc 400 mètres. En deuxième position, le dossard 8 avec Clermont Athlétisme Auvergne. Souvent, le Granon est demandé de toute urgence au secrétaire. Et là, le podium entre les trois équipes, entre Gonfort, Montagne, Conforme, l'équipe de Gonfort et Montagne, Conforme du Premier. On va suivre donc Jacques Bourdieu, cette unité de la performance française minime d'une autre tour 55, réalisée quelques jours du côté de Bichouler, et qui a pris la troisième place. On va rentrer dans la ligne de droite. Pour Marseille. Il est en football. Bien, Lille. Et pour la deuxième place, elle est à 80 mètres de l'arrivée. Clermont Athlétisme Auvergne. Alors pour la troisième place, vous avez encore deux équipes. Avec Jacques Bourigeau, et l'autre Sandre, et l'équipe Lance Gézard du 13e agglomération athlétisme avec Jacques Bourigeau, qui prend la troisième marche sur le podium. Je rappelle Suzanne Grenier, et demande de toute urgence au secrétaire. Le lancer du javelot en débute le deuxième essai dans ce concours du groupe 3. Pour l'instant, c'est Hector Aragos-Miana qui a réalisé la meilleure performance avec un jet à 59,18 m. À suivre dans quelques instants l'allemand Raymond Hecht. Ligne droite opposée, la barre est placée à 4,20 m. Troisième tentative pour la grenobloise Anastasia Popov. Alors, acheter le premier à propulser son javelot au-delà de la ligne des 60 mètres sur ce deuxième jet. À suivre dans quelques instants la mesure sur le panneau d'affichage. En attendant, ligne droite opposée, troisième tentative pour la grenobloise Anastasia Popov. Mètres 57 pour Raymond Hecht, l'allemand à suivre, Hector.